Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui le 16 mars 1978, il est actuellement 20h. Dans les gros titres aujourd'hui, le super pétrolier Lamo Cocadis s'est échoué sur nos côtes bretonnes. En effet, il a déversé plus de 220 000 tonnes de pétrole. Nous retrouvons Albert, notre reporter, sur les lieux. A tout de suite. Ouais, tu me donneras 306 après. Oui, bonjour Roger, je suis actuellement sur une des plages de Port-Sal. Actuellement, les habitants sont complètement foudroyés par cette nouvelle. Le pétrole, comme vous le voyez derrière, la mer est totalement bleue, totalement noire, visqueuse. Des tonnes d'agriculteurs sont venus avec leurs tracteurs pour essayer de pomper le plus de pétrole possible. Mais jusqu'à là, des plans de secours n'ont pas été mis en place par le gouvernement. Nous devrions en savoir un peu plus dans les prochaines heures. J'ai parlé avec le maire de Port-Sal il y a quelques minutes. Il nous dit que des plans de secours seront mis en place le plus rapidement possible. Mais pour l'instant, on est tous sur le choc. Oui, Jean-Pierre, je t'interromps. Le maire de Port-Sal va me rejoindre dans quelques instants pour parler de la situation. C'est une interview exclusive. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, pour nos littoraux bretons, comment ça va se passer par la suite au point de vue écologique? Alors là, l'urgence va être mise en place ou des plans? Est-ce que quelque chose va être fait le plus rapidement possible? Alors oui, on va mettre en place un conseil municipal d'urgence dans les jours qui suivent. Donc pour voir un petit peu comment on pourra organiser l'émission de pompage du pétrole dans les prochains jours. Donc voilà, ça va être mis en œuvre. Eh bien merci Michel, c'est un réel plaisir de vous avoir. Actuellement nous allons retrouver Jean-Pierre qui va nous égayer un peu plus la situation. Dans un instant, notre rubrique culture, nous allons vous présenter une BD Bleu Pétrole créée en 2018 par Gwena Morazur, avec l'aide de notre reporter Albert et Louis Bernard. Bonjour Louis Bernard. Bonjour. Spécialiste de la bande dessinée et notre reporter qui était sur les lieux il y a 40 ans, Monsieur Albert. Bonjour Jean-Pierre. Ce livre nous donne vraiment envie de le lire. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec ces images très travaillées, très poussées, avec ce texte pas si compliqué que ça, donc pour des enfants de 10, 11 ans, 12 ans, ils peuvent le lire très facilement. Et aussi, mais surtout, c'est une histoire vraie. Ça me rappelle la Bretagne des faits historiques qui se sont produits sur nos côtes bretonnes. Je vais vous laisser là. On va reprendre tout de suite avec Jean-Pierre qui va nous faire la présentation du journal de JT France. Merci de nous avoir écoutés.